Son DG de la région Moyen-Orient et Afrique dépêché à Alger qui a mis fin aux spéculations, ce haut responsable du géant sud-coréen a rappelé que son entreprise était actionnaire dans l'usine Glovis, tout en réaffirmant la détermination des deux partenaires à aller vers la fabrication automobile qui commencera prochainement par le full CKD. Kia et Il Jazair fêtent sa première année, un anniversaire qui intervient dans une période de troubles pour l'industrie automobile algérienne en général et cette entreprise en particulier. Le véhicule Made in Blady survivra-t-il ou pas? Et la grande interrogation du moment. Pour éteindre cette polémique, Kia Monde a dépêché en Algérie son DG de la région Moyen-Orient et Afrique. Kim Ki-won ne s'est pas contenté d'une simple présence à ces festivités. Il a envoyé des messages forts pour réaffirmer la détermination du géant sud-coréen à prendre l'accent algérien. Ainsi, ce haut responsable du géant sud-coréen, qui a rappelé que son entreprise était actionnaire dans l'usine Glovis, a exprimé la fierté de la maison mère Kia Motors Corporation de sa relation de confiance avec Glovis et Kia et Il Jazair, société sœur, respectivement de montage de véhicules de marque Kia et de distribution. Une relation qui selon ses dires a permis au groupe algérien d'atteindre très rapidement les objectifs tracés. Le président directeur général de Kia Motors Corporation Moyen-Orient et Afrique a soutenu que la vision de l'usine de Glovis du groupe Global vise à créer une véritable base industrielle dans le domaine de l'automobile grâce à un plan commercial sérieux et stratégique, avec un partenaire dont la réputation et la crédibilité sont incontestables. Il met en avant la vision de Glovis qui vise à augmenter progressivement son niveau d'intégration afin de passer très rapidement du montage à la fabrication. La vision Glovis a commencé à produire un réel tissu de sous-traitance dans le pays par la création de 1000 petites et moyennes entreprises. Nous avons été impressionnés par ces progrès rapides dans le domaine de la manipulation et de la fabrication de pièces et d'accessoires automobiles, afin d'atteindre un taux élevé d'intégration et d'investissement chez les jeunes et d'assurer une formation remarquable en apportant la technologie à l'horizon 2020 assurée avec beaucoup de fierté. Nous croyons fermement en la capacité de Glovis à répondre aux attentes de l'État algérien de mettre en œuvre la pleine industrialisation full CKAD. La première du genre en Afrique, elle est la seule entreprise à avoir fourni un plan d'entreprise crédible pour le full CKAD dont les travaux de finalisation de l'usine sont en cours, a soutenu les mêmes responsables. Une façon pour Kia Monde de montrer que la situation actuelle n'affecte en rien ses ambitions algériennes. D'ailleurs, ce manager a rappelé que son entreprise était actionnaire dans cette usine qu'il veut comme une référence africaine. Il rassure donc quant à la détermination des deux partenaires à aller vers la fabrication automobile qui commencera prochainement par le full CKAD. Le partenariat de Kia Motor Corporation avec le partenaire algérien Glovis a dépassé toutes les attentes. On a développé la marque, tout en réussissant le défi du montage des voitures en respectant la qualité du produit résumé non sans promettre que le plus beau restait à venir. Kia met donc fin aux spéculations. ثقتنا في غلوفيز كبيرة ونؤكد رضانا التام عن علاقة العمل التي تجمعنا كما نؤكد أيضا أننا بدأنا في هذه العلاقة مع غلوفيز لأسباب تجارية بحتة وحسب معاييرنا وأننا لم نكن يوما تحت أي ضغط أيا كان لاختيار هذا الشريك هذه الثقة وهذا التميز دفعنا أو دفعنا إلى تعزيز تعاوننا والدخول في رأس مال الشركة إيمانا منا بقدرات غلوفيز الهائلة وفي الأخير يسرني إعلامكم أن غلوفيز قد قامت مؤخرا بإيداع ملف طلب الاعتماد النهائي لدى وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية وفق أحكام دفتر شروط الساري العمل به وأود أن أشكر السلطات المعنية عن كل الدعم والمساندة المقدمة من أجل دفع صناعة السيارات والارتقاء بها إلى المستوى العالمي سنعمل رفق غلوفيز لتجسيد مصنع فول سيكادي عن قريب وفتح المجال لتطوير المناولة وجعلها أحد توافع النمو الاقتصادي في الجزائر شكرا Using myself. My name is Kong Yong Kim. I am the president of the Kia Motors Regional Headquarters located in Dubai. First of all, thank you for your participation today. Good morning, ladies and gentlemen. On the occasion of the first anniversary of the launch Glovis manufacturing plant for the Kia brand,
I am very pleased to return to Algeria to meet our partners and to stand on the good progress of our business. As usual, we will review how to strengthen our partnership and support the development of the automotive industry through the achievement of the full CKD project. تسعني العودة إلى الجزائر بمناسبة الفكرة الأولى لتدشين مصنع جلوفيز لتصنيع السيارات لعلامة كيا للالتقاء بشركائنا والوقوف على السير الحسن لأعمالنا حيث وككل مرة سنتطرق إلى كيفية تعزيز شراكتنا ودعم تطوير مجال صناعة السيارات من خلال تجسيد مشروع الفول سيكادي الذي هو يعتبر التصنيع الفعلي للسيارات. I also would like to take this opportunity to express our satisfaction about our choice of the Globis as an Algerian partner, among others. This option is in support of the Algerian government's strategy to develop the automotive industry by reflecting four important elements. وكذلك أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن مدى ارتياحنا الكلي لاختيارنا شركة جلوفيز كشريك جزائري من بين شركات أخرى. وهذا الخيار جاء لدعم استراتيجية الحكومة الجزائرية لتطوير صناعة السيارات في الجزائر وهذا يعكس أربع بنود وعناصر مهمة. Firstly, a global motors industry, sister company of the Globis, already proved a track record and successful involvement with our sister company Hyundai Commercial.